Alors, moi c'est Thomas Hamadou, DG de New Leader Vision International, NLV Burkina Crypto-Monnaie, depuis le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, je suis à Dubaï. Aujourd'hui, c'est le 16 mars 2022, mardi 16 mars. Et nous sommes à Dubaï dans le cadre de Crypto Expo. Expo 2022, vous voyez. Donc je suis venu avec le DAF, M. Sommet Frédéric, de NLV également. Et nous avons croisé d'autres amis qui sont à Dubaï ici, qui exercent dans le trading, dans le e-commerce et ainsi de suite. Et voilà. Mais les amis, c'est du lourd parce qu'on voit toutes sortes de nationalités. Toutes sortes de nationalités venues de partout dans le monde entier. Tous ceux qui exercent dans le e-commerce, dans la monnaie numérique en particulier, on voit qu'il y a tellement de l'engouement que on sent que c'est le domaine d'avenir, tout court. Il n'y a pas beaucoup à dire, mais les quelques véhicules qu'on a vus, qu'on voit, ceux qui sont venus avec quelques véhicules là, vous allez voir que c'est des Ferrari, des Brabus, des Lamborghini. Yeah, on voit. C'est des crypto-traders, hein, c'est des Lamborghini, des Ferrari, un peu partout. Regardez là-bas, il faut zoomer là-dessus. C'est des Lamborghini, des Ferrari seulement, que les gens ont envoyé. Mais les amis, la crypto-monnaie, c'est de l'avenir. La crypto-monnaie, c'est l'Eldorado. J'avais déjà dit ça. La crypto-monnaie, c'est pour l'employabilité des jeunes. Ouvrons l'œil, cherchons à comprendre et à nous aller pour le succès. Je vous remercie. C'est bon, ça c'est dehors. Il faut arrêter maintenant.